Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Total War Three Kingdoms avec l'ami Kangrong toujours. On se retrouve donc juste après nos petites conquêtes. On avait réussi à prendre cette magnifique cité régionale de level 8. Donc notre armée a souffert, hein, mais on devrait pouvoir s'en remettre. Nos généraux ont survécu, ça c'est plutôt cool. Ici on a un niveau, on va regarder ça tout de suite. Alors qu'est-ce que tu peux te faire de beau toi? On était parti là-dessus. Plus 10 de morale dans le territoire, active effroi, ok. Usure due à la pénurie de vivres, moins 50%, résistance à la fatigue pour le régiment, ouais. Ruse, active déploiement de guérilla pour le régiment et plus de chances d'embuscade. Ah, ça pourrait être pas mal le déploiement de guérilla pour la cavalerie. Ah, vitesse de course en bataille, plus 25 par contre, ça c'est vraiment cool. Ligne de mire, plus 50%, ouais. Je pense qu'on va partir là-dessus. Bon, active effroi c'est pas mal aussi, hein. Mais plus de vitesse de course en bataille, vu que c'est lui qui gère la cavalerie, on va prendre. Level 6 quand même, le monsieur. Donc on a une dèche de nourriture assez dramatique, mais c'est normal, hein, c'est parce qu'on vient de conquérir cette cité, il faut réparer les bâtiments, etc. Ça devrait aller un petit chouïa mieux après. Il va falloir aussi qu'on pense à prendre cette réforme là, qui est ici. Ouais, il va falloir qu'on aille dans ce sens là, bah d'ailleurs c'est l'occasion là. Donc on va instaurer cette réforme là et on va partir après là-bas pour pouvoir faire un peu plus de nourriture. Cela étant, on a récupéré plein de sous, ici on a un niveau à prendre, ah bah c'est Kangrong qui monte level 7. Alors, qu'est-ce que tu peux faire? Sagesse. Déverrouiller une affection, réserve plus 15, bon ça sert à rien dans le contexte. Stratège, expérience bonus pour les unités par saison plus 50 dans son armée, hein, c'est propre ça. Touf touf, commande du tir plus 10% quand ce personnage commande. Oh, ça c'est pas mal aussi parce que ça joue sur toute l'armée et comme bah, lui commande justement, c'est plutôt, il est plutôt bien. Chance d'éviter des embuscades. Plus de chances de capturer des ennemis. Augmente les dégâts subis. On va prendre ça, je pense. C'est pas mal. Voilà, on a toujours pas de chevaux plus intéressants. Donc cette armée là, on avait conquis ce truc là, mais on avait quand même moyen de se barrer assez rapidement. En plus l'ordre public est bon, donc autant pas passer 100 ans là. Est-ce qu'on peut attaquer ce monsieur? On peut complètement attaquer ce monsieur. Du coup derrière on va se rabattre sur ce truc là. Et derrière, si lui n'est toujours pas assiégé, je pense qu'on rentrera en guerre contre les turbans jaunes de nouveau pour les terminer. Histoire de s'emparer de cette petite commanderie là, mais bon, avec tout le monde qui lui tape dessus, à mon avis, ça devrait pas tarder. Hein. Et donc du coup, ce qui serait bien, c'est de lever une nouvelle armée. On a des sous, on a un revenu quand même conséquent, si on regarde par exemple... Cette armée là nous coûte 1600, cette armée là nous coûte 2000, donc on a largement de quoi faire tenir une nouvelle armée. Donc on va éviter l'armée avec notre femme, qui est en même temps notre héritière. Il nous faudrait quelqu'un éventuellement qui manque d'objectifs. Alors comme vous me l'avez dit, hein, de manière fort judicieuse, nous on peut envoyer des espions, mais les ennemis aussi peuvent envoyer des espions. Du coup, le mec qui arrive là, genre lui là, avec 4 unités, 5 unités pleines, un régiment plein et tout, il est ultra douteux quoi. Lui clairement, il pue le... Je vais vérifier que c'est bien un mec à recruter, hein, mais... c'est lequel? C'est pas lui, c'est celui-là. Là. Lui, il vient d'où? Empire des Han avant. Et Xiao Xiao. Ouais, ça sent l'espion celui-là quand même. Hein, qui se pointe. Bon, après on a suffisamment de personnes. Toi t'étais où? Où est-ce que t'es? Pourquoi tu reviens? Il est indisponible et reviendra dans une saison. Ok, je sais pas pourquoi. Sinon on a un champion ici. Qui a en plus un régiment déjà bien fourni.
D'où il vient lui? Pourquoi t'as déjà un régiment aussi fourni? T'es pas un espion? Non, t'es pas un espion. Depuis 196, t'es chez nous. On est en camp là? 2000, ok. Je suis depuis 4 ans, donc bon, ça doit être un mec qui a survécu plus ou moins à quelque chose. Et ben, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le nommer commandant, ce monsieur. Il est où? Ah, je peux pas le nommer commandant. Diaophen. Offrir une promotion, bannir, non? Lever une armée avec Diaophen. S'il est là. Ah bah il a pas du tout, il est pas du tout un régiment plein. On dirait que je me galère un peu. Oui, j'ai confondu avec lui, qui du coup lui est déjà général. Donc c'est pour ça. Donc toi, t'as de la milice armée de J. Très très bien, et bah tu vas faire le taf, hein. Allez. Embrasser le printemps comme promesse d'espoir. Après lui est cool, hein, avec ses groupes armés de hache, ça changerait un peu. Ouais, je pense qu'on va prendre lui. Mon but est précis. Voilà, allez toi, hop, viens Préparez là, les on va regarder un quartiers. peu ton équipement. On peut te filer ça, ce sera très bien. Au niveau des armures, t'as ce qu'il faut. Là, bah un garde, hein, ça fait le taf. Et un coq de pierre. Donc pour l'instant, ils s'entendent avec pas grand monde. On va recruter. Alors. Lui, il peut directement prendre ses gens. Garde armée de Jian. On va en prendre deux, ça coûte une blinde. Et il s'entendrait bien avec Diaophen. Donc je pense qu'on va Allez toujours embaucher plus haut, vers les Diaophen. cieux. Alors ça nous coûte 3 bras cette histoire, hein, mais c'est pas grave. On va recruter un mec de plus, voilà. Donc là on s'est bien ruiné, mais c'est pas Je grave. me retrouve. Ils vont tenir un peu cette province où les gens gueulent un peu, mine de rien. Et ça va nous faire une armée Appelez les marchands, je veux voir leurs ordres. supplémentaire pour pouvoir aller avancer un peu plus vite. Parce que mine de rien, on a quand même pas mal d'ennemis dans cette zone maintenant. Et du coup sur ce, on va passer le Préparez-vous pour la tour. guerre. Ah, lui il nous redéclare la guerre. D'accord, alors par contre il y a moyen qu'il nous. Alors, il nous a déclaré une guerre ouverte. Nos ministres font toutes les préparations nécessaires pour renvoyer les hostilités et vos généraux se tiennent prêts. Ils sont confiants, n'ont aucune hâte, mais ces prétendants en déroute. Alors, lui a l'air de vouloir venir, on va l'appeler à l'aide. Il y a moyen qu'il se pointe, enfin qu'il appelle plein de personnes, hein. Il a beaucoup beaucoup de potes ce monsieur. Alors là, il y a une grosse armée Ce qui n'est pas de la arrive. flatterie, mais de l'honnêteté. Et lui, il veut nous asservir. Non. À vous de Non, 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 choisir. c'est bon. Alors là, il y a des armées qui se repointent. Ah, on voit loin, dis donc. On a une route de commerce qui a dû s'ouvrir là. Faut que je jette un œil. La coalition est devenue une alliance militaire. Ah, donc on peut quand même transformer une coalition en alliance militaire. Intéressant. Ah, lui, il a fait une paix avec Dongming. Ah merde, ça par contre, ça m'emmerde un peu. Un général relate une bataille récente. Votre attention est attirée par la mention d'un ami commun que l'officier a tiré d'une fâcheuse posture. Sa lame s'en est guidée par le ciel même, frappant avec justesse. Ok, on a des relations. Pas mal de relations qui se renforcent, c'est cool. Donc reviens un peu comme ça, voilà. Donc on voit jusqu'ici. D'accord, on a fait une route commerciale jusqu'à Liubao. Du coup on voit tout ça, ok, c'est cool. Bon, là ça commence à être un peu le délire. Alors ça c'est quoi? Ça c'est un ennemi, hein, clairement. Je me retrouve, Il va certainement falloir pas. qu'on attaque, je pense, parce que là. Préparez mes quartiers. Je réponds à votre Bon, on appel, va peut-être amener les Altesse. renforts. Ah Appelez ouais, les mais je peux pas marchands, venir je veux voir plus près leurs que ça, ordres. bordel. Bon, ici, on va Préservez-vous. là. Bah oui, bien sûr qu'il y a À quelque la chose. guerre! Attaque. Oh putain, ils sont nombreux quand même, hein. On va les Au affamer. front! Regardons un peu ce qu'on a eu. Insaisissabilité pour Kongrong et philanthrope pour Jiongzhen. Frappez vivement! Ok, très bien. On a eu des gens disponibles. On a construit des bâtiments.
Ok, donc du coup on est toujours en déche de bouffe. Investiture de l'armée ennemie, hein, comme c'est bien dit. Ouais, du coup ici les bâtiments ne sont pas construits. Il va falloir qu'on attaque. Hein. Par contre du coup, ouais, il n'y a pas ces renforts. Il n'y a pas ces renforts, donc ça peut le faire. Bon, par contre l'attaque derrière, on va souffrir. Hein. On peut faire une bataille nocturne. Ouais, pourquoi pas. Pourquoi pas, on va tester une petite bataille nocturne. Donc il a quoi en face? La milice, la milice, la milice, la milice. On a des tireurs. Un petit peu de cavalerie, et puis ouais, bon, ça va pas être ouf. Hein. C'est un peu la bataille désespérée quand même. Hein. Notre cause est juste, nous ne plierons pas. Surtout qu'il y a une grosse armée qui arrive derrière. Prudence. Là ça risque d'être un petit peu plus douloureux. Enfin bon, on va déjà faire celle-là. L'été est une fournaise. Canalisez sa force. Canalisons la force de l'été. Pourquoi pas. L'avantage c'est qu'on a des bons généraux, ils sont bien expérimentés. Chine stable et unie. On n'est pas sur, sur des mecs trop pourraves. Alors par contre il a une position défensive pas trop dégueulasse, ça c'est dommage. Bon, putain, bah, nos troupes sont tellement tellement dépouillées quoi. C'est le drame. Ok, les unités de corps à corps. Oh la vache. On a que ça d'unités de corps à corps, ça va que lui non plus n'en a pas des masses. On va les grouper eux parce que vu le nombre qu'ils sont, autant qu'ils soient groupés. Le stratège il va rester là, eux ils vont rester là. On va attendre nos renforts avant de charger, hein. Ça va pas être dingue mais... Enfin, nos renforts arrivent. Ok, visiblement ils chargent direct. Allez les renforts, ils vont courir un peu, je suis désolé mais... Faut que vous traciez. Est-ce que j'ai des tirs enflammés quelque part? Ouais, là on a un petit peu de tirs enflammés, on va les prendre. Donc on va pouvoir commencer alors laminer du tir assez tôt grâce à nos arbalétriers, et ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Alors il envoie sa cavalerie par là, on va commencer à se déplacer nous aussi. On va garder nos généraux là pour l'instant. Prêt. Au pas doublé. Au garde à vous. Cavalerie. Les guerriers ennemis. Voilà, j'ai foiré ma charge là. C'est pas grave. On va mettre du nombre en envoyant les deux généraux là-dedans. Donc normalement c'est de la cavalerie de choc hein. Mais bon on peut pas tout avoir. Alors merde, il est en train de charger ce con. Allez allez allez. Contre-charge les gars. Regardez-les fuir. Alors ici il faut absolument qu'on... On extrait quelqu'un par où? Par ici peut-être. On va essayer. Parce que là les archers sont beaucoup trop dévastateurs à mon goût. Bon, on a réussi à mettre en fuite toutes les unités de corps à corps, ça c'est la bonne nouvelle. Plus vite, bougez-vous. Rossel, paré. Oh, pas de charge. Ici il faut que lui arrive à se détacher pour aller s'occuper des archers. Vraiment. Voilà, parfait. Prêt. Cavalerie en selle. Bon, c'est difficile de se détacher de, des commandants. Hein. On n'a plus de munitions. Préparez vos armes.
Ok, plus de munitions. Donc là, on va se remettre en formation serrée. Au pas de charge ! Allez, allez, allez ! La forêt est en feu. Ah, il y a un enfoiré qui s'est reformé, putain. Tire-toi. Bon, ici on a réussi à faire fuir l'autre, ce qui est plutôt positif. Ça c'est quoi ça? C'est une milice d'archers qui s'enfuit, ok, pas de problème. Ok, ils ont cédé, nos archers vont faire à peu près le taf. On recharge. Ok, ils s'enfuient partout. Traverser les flammes tranquille. Ici, putain, c'est chaud, on se prend des charges et des contre-charges. Là, ça se passe comment avec lui là? Regardez-les fuir, lâche. Ok, dès que je fais demi-tour, il contre-charge. On va donc le rechoper. Ici, ça se passe comment? Ça se passe pas si mal, mais il faut vraiment aller donner un coup de main. Lui s'enfuit, on va le choper. Alors nos archers, on va tout de suite les replacer en formation. Et on va envoyer le stratège se battre. Allez, allez, allez. Donc le stratège, il est pas fait pour ça, hein, mais... voilà, l'idée c'était d'avoir des gènes morales. Oui, bah vous là, vous arrivez, tiens, vous tombez bien. Chopez-moi ces cons. Tirez-moi sur ceux-là plutôt. Là, on va commencer à prendre du feu là. Faut qu'on se replie. Faut qu'on sorte de ce bordel. Bon, eux pourront peut-être se reformer, mais j'y crois pas trop. Allez, chopez-les là. Toutes mes unités au corps à corps, elles sont sur ces cons quoi. Ok, le feu s'est éteint. Lui, il se fait, il va se faire dépouiller. Voilà, il a décidé de lâcher l'affaire. Non, il revient. Il va se reprendre quelques bonnes petites rafales. Ça devrait le calmer. Lui résiste toujours, mais ça va. Ok, c'est la victoire. Bon, on va pas trop insister parce que là... clairement, ça n'a pas été facile. Faut qu'on sauve quelques points de vie supplémentaires. Il va falloir qu'on ramène notre armée en renfort du coup très très vite. Alors on pourrait lui prendre un expert militaire. On va le faire. Garder en vie coûterait trop cher. On va prendre la reconstitution, ce sera toujours ça de pris. Parce que là, putain, en plus là on a de la... on a vraiment de l'unité de qualité en plus. Alors, on a des rivaux. Kongrong et Yuantan sont rivaux, ok, très bien. Fin des relations, diplomatie. On s'entend toujours bien avec lui, j'espère. Et on a du coup obtenu un expert militaire, parfait. Non merde, ça c'est l'armée ennemie ça. Pardon. Il fait quoi notre mec là? Il est devenu général ou pas là? Qu'est-ce qu'il fout? En poste. Non, il est toujours haillé hein. Il a pas été calé général encore. Bon, à force de les tuer, ça va peut-être finir par arriver. Pour l'instant, on va rester comme ça. Donc là, on a une grosse armée qui arrive.
Avec le mec guerrier sans égal, irrité de faction et tout là. Et nous, bah on est dans le mal, hein. On est en train de se faire laminer, y a pas d'autre mot. Si je passe en marche forcée. Ça me permet quand même d'aller jusqu'ici. Hein. Je serai dans la zone de combat de cette armée là, donc même s'il attaque lui, théoriquement, il devrait y avoir les renforts. On va espérer que, parce que du coup malheureusement mes unités se refont pas. Donc ici on a, oui, on a dit qu'on faisait le siège. Tout va bien. Au niveau de la bouffe, bah avec un peu de bol ça va suffire pour que là il ne m'attaque pas et qu'on arrive à passer un tour à réparer. Parce que c'est clair que ça fait mal la cité régionale là. Alors, est-ce qu'on peut éventuellement... Et qu'est-ce qui se passe? Ravitaillement en faible quantité, ok. Est-ce que éventuellement, voilà, on peut améliorer des trucs. Donc ici, on passe de 4 à 3 de nourriture. C'est bien, mais pas top. Et ici, on passe de 4 à 6. C'est mieux déjà. Alors, affectation. Tour d'incorporation, croissance de la population... Revenu de la paysannerie. Ouais, tu vas faire ça toi, c'est très bien. Et du coup on va se lancer là-dedans. Est-ce qu'il nous faut de la bouffe? Il nous faut de la bouffe. Puis alors là en plus on va se taper une rébellion. Adong, il se passe quoi là? Ouais, Adong... Adong c'est de la merde ce bâtiment quoi. Va peut-être falloir que je le convertisse lui hein. Bref. On peut pas faire grand chose de plus. Lui il veut inviter Sun Tse. Ben oui, pourquoi pas. C'est à vous de choisir. Il a refusé. Alors, Yuan Tan veut une paix en échange de 3637. On va refuser. Vous vous en souviendrez. Est-ce que ça ne mettra pas fin à, de toute façon au combat avec ses potes. Ah, il décide de nous attaquer. Et il attaque l'armée l'armée qui est dans la cité. Hein. Très bien, et ben... 2200 de renfort, on en a 1050. On va faire ce qu'on peut. Alors, voyons voir. Je pense pas qu'on ait pu réparer les murs ou quoi que ce soit. Ingrat ou non, cette tâche doit être accomplie. Allez-y. Allez, voyons voir comment on peut tenir. Alors, comment ça se passe? Nos renforts arrivent par là-bas. Et ici, on a l'armée. Lui, ses renforts arrivent par là-bas. Et ils vont être très probablement totalement à poil. Donc ici, on va pouvoir charger avec nos renforts, ça c'est la bonne nouvelle. Là-bas, ça se passe comment? Il y a un trou là. Là, la tour est détruite, mais il n'y a pas de trou dans le mur. Donc, ça serait quand même bien qu'on ait un peu de quoi tenir ici. J'aimerais bien. On peut faire un carré en plus. Ça, c'est quand même propre, un petit carré des familles, hein, juste devant. On va prendre... On peut les étaler un peu plus, oui, on peut complètement les étaler un peu plus, ça sera mieux, voilà. On va également prendre des copains archers ici. Et je pense qu'on va même se fendre d'archers sur cette ligne là. Hop, voilà, comme ça si jamais ils passent on pourra quand même leur mettre quelques petits tirs hein, le temps qu'ils avancent. Ensuite ici. Préparez-vous, chargez les carreaux. Ouais, c'est pas mal ça comme point de défense, peut-être un peu plus par là quand même. Vous deux, vous allez vous foutre. Alors non, je peux en mettre qu'une seule. Là je peux mettre des gens mais ils pourront pas descendre donc c'est complètement con. Des gens là non. Des gens là oui. Et des gens ici du coup. Voilà.
Il faut qu'on bouche un peu ce trou. Formation dispersée. Alors. Ok, eux ils bouchent le trou. On va les foutre en carré. Bon, carré. Carré léger, hein, vu le nombre qu'ils sont, mais bon. Carré quand même. Hop. Ici on a un peu de cavalerie. Donc on peut poser des barricades. On peut poser des barricades. Alors. Ouais, c'est pas ouf nos barricades, hein, clairement, mais bon. On va pas pouvoir faire de miracle non plus de toute façon. Vérifions un peu nos troupes. On a un peu de cavalerie là. Eux, ils sont placés. Prenons dans l'ordre. Alors vous, non. Je sais pas ce que vous foutez là, mais vous allez vous pointer ici. Voilà, histoire de donner un petit peu de morale aux gens, tant qu'à faire. Un peu planqué derrière les murs, voilà. Ce sera quand même plus intéressant. Donc lui avec ses renforts, il peut complètement essayer de se pointer par là. Hein. Mais avec ce qu'on a, on peut pas tout couvrir. Il a pas de bélier, donc je pense qu'il pourra pas faire grand chose. Il va être obligé de profiter des failles. D'ailleurs je me demande si je vais pas... ouais, je pense que je vais mettre mes deux carrés ici en fait. Parce que clairement... La grosse bataille va se placer là. Ici je vais juste garder de quoi empêcher qu'il rentre trop facilement dans la cité, mais de toute façon notre armée va se pointer. Je vais peut-être même carrément reprendre quelques arbalétriers, voilà. Histoire de vraiment les prendre bien comme il faut. Alors la cavalerie, on va également la poser dans le coin, même plutôt là, ou ici, tiens, ici pour pouvoir éventuellement se déplacer si besoin. Alors ici il nous reste des troupes ou pas? Non, il n'y a rien, on est placé, c'est parti. Des renforts ennemis sont en place. Alors nos renforts. On va courir avec... Alors notre général il est là. Là tout le monde court les gars. Je sais que vous allez être un peu fatigués parce que... parce que vous étiez en marche forcée avant. Ok, ils se mettent juste à portée de tir. Ça me convient parfaitement. Là-bas, il y a du monde. Hein. Je sais pas trop ce qu'il fait encore à aller par ici. Mais bon. Peut-être mettre le feu aux portes et tout. Hein. Ok, on dirait que là, il décide d'y aller en mode bourrin. Vous, vous courez. Vous courez, vous courez. Vous, pareil, faut courir. Vous allez même courir jusque là directement. Donc là, on va pouvoir commencer à tirer un peu. Alors, on va pas avoir masse de tir, hein, vu nos capacités actuelles. Lui, je sais pas bien ce qu'il fout. On va rajouter un petit peu de renfort. Alors du coup, ici c'est géré. Il faut courir de l'autre côté, les gars. Courez. Vous et vous. Ah, la barricade est dans l'autre sens en plus, c'est complètement con. C'est pas grave, vous courez aussi. Le stratège, il trace sa route. Les unités de corps à corps, elles vont tracer jusque là déjà. On va voir un peu ce qu'ils font. Alors ici on se bat en masse contre lui là. Alors l'autre, je sais pas ce qu'elle fait mais... Ils se détachent pour des charges, les petits salauds. On voit une unité par là-bas. On va profiter qu'ils s'y reculent et on va aller. Ah ah.
Il fait demi-tour cet enfoiré. Alors je vais mettre un peu pause hein, parce qu'il va falloir gérer un peu. On dirait qu'ils sont en train de se précipiter pour passer par là-bas. Donc vous, vous allez vous arrêter. Hop. Et vous allez vous préparer à les allumer un peu. Hop. Mes unités de corps à corps. Elles vont faire demi-tour en courant ici. Je sais pas s'il essaye de passer. Il essaye peut-être juste d'aller venir en aide à ses potes, hein, mais. L'ennemi s'enfuit! Les lâches! Ouais, mais on voit bien que mes unités courent, enfin, elles marchent quoi. Alors là, il se laisse charger. Pourquoi pas? Alors, est-ce qu'on peut escalader les murs? On dirait qu'elle est partie pour. Hein. Oui, on dirait qu'elle est complètement partie pour escalader les murs. Intéressant. Du coup, toi, tu vas courir là. Et là. Il tente de franchir les murs, ouais, effectivement. Ici on est engagé, ici on est engagé. Ok, ça va nous occuper un peu. Ici on va courir jusque là. Là on a forcément une chance de viser complètement lamentable. Hein. Après c'est pas très grave, voilà, quand elles vont être sur les murs, ils vont se faire allumer. Au fur et à mesure qu'ils montent sur les murs, ici ils grimpent, ok. Nos tours font le taf en attendant. Alors, ici eux, ils se font allumer pendant qu'ils se baladent, c'est très bien. Là ça donne quoi les généraux là? Parce que les généraux, ils résistent, hein, mine de rien. Bon, nous aussi, mais quand même. Est-ce qu'ils sont indémoralisables ces cons? Résistance à la fatigue, immunité à la terreur. Ça y est, ça va commencer à céder un peu à un moment. Alors on va profiter que nos. On a des unités de corps à corps engagées pour dégager un peu eux. Dans l'optique d'une charge éventuelle. Ici ça se passe comment? Ça se passe qu'on les grignote petit à petit, mine de rien. Alors ici il y a le gros de l'armée qui arrive. Là, il commence à descendre. Et il y en a une grande partie qui est dehors. Ah non, c'est la cavalerie, ok. Il a monté des archers ici, très bien. Alors, est-ce qu'ils sont suffisamment intelligents pour ne pas sortir et les attaquer ceux qui sont en bas des murs? Ils ont l'air de galérer un peu, mais ouais, ils font le taf. Vous, là. Tirez plutôt là, s'il vous plaît. L'ennemi s'enfuit! Les lâches! Voilà, là, vu qu'ils sont au sol, il devrait y avoir moyen. Pourquoi les autres ne font rien? Je n'en sais pas. Je veux que vous chargiez tous. Alors ici. Ici ça va piquer. Hein, parce que du coup on est vraiment pas assez nombreux. Là. Ça le fait. Là ça le fait. Chargez-moi tout ça. Ici du coup. Vous, vous allez courir. Le plus vite que vous pouvez jusqu'ici. Même si à mon avis vous allez arriver un peu à la bourre. Hein. Après si on arrive à faire tomber les commandants ça fera un peu de morale en moins. C'est toujours ça de prix.
ici, on arrive à attaquer ou pas? On arrive à attaquer, il y en a certains qui sont restés dehors, c'est cool, ils ont décidé de faire le tour. Bon là, ils vont prendre la porte, mais vu qu'ils ont envoyé leurs troupes complètement à l'opposé, c'est pas si gênant que ça au final. Allez, là on va aller, tant pis, on va les renforcer avec des combattants. C'est parti. Alors, là, il commence à souffrir doucement. Très très bien, là il s'enfuit. Là, ça sert plus à rien de courir après, les gens. Pareil, vous c'est bon. Courez donc par là. Vous, vous pouvez rester deux secondes, par contre, ouais, les commandants, ils vont se fendre d'une petite charge. Vous, vous tracez par ici. Bon, on a perdu une porte, c'est pas trop grave. Par contre, lui, il est en train de galérer à mort. Alors vu qu'ils sont à pied, on va essayer de se dégager et de recharger. Dépêchez-vous, plus vite. Peut-être même dégager lui et juste charger avec la cavalerie. Alors lui, est-ce qu'il a moyen de choper les archers? Non, il y a beaucoup trop de lanciers autour malheureusement, donc il va se barrer par là. Toi, tu te prends un peu une douche, mec. Tire-toi. Ok, lui il fait rien. Là, on court ici. Alors elle résiste, mais à mon avis, elle va pas tenir. Elle est peut-être indémoralisable elle, pour le coup. Non, même pas. Ici. Il est en train de nous charger ou pas là? Qu'est-ce qu'il fait? Non, absolument pas. Absolument pas, absolument pas, donc ça c'est cool. Donc on a des unités qui se pointent, il faut qu'on détache. Il y a 80 ici, lui. Lui, il faut qu'on essaye de le gérer. Ouais, parce que lui, il va pas pouvoir gérer. Là, il faut qu'on essaie de contourner pour aller s'occuper de la cavalerie, c'est le plan. On a plus de munitions! Préparez vos armes! On va plutôt utiliser celui-là pour charger là. Ici, il n'y a plus de danger, faut courir là-bas. Ici, on recule. Préparez-vous de suite. Guerrier, écoutez-moi. Là, parfait, on tire sur eux. Donc là c'est la grosse baston, hein, normal. Là on est en train d'esquiver avec eux. Ici, je sais pas ce qu'ils foutent mais on va les choper. En plus ils vont être parfaitement bien placés pour que nos tours fassent le taf. Plus vite que ça. Non, vous pendant que vous êtes dehors vous allez tracer. Courez là-bas vous, histoire de tirer un peu. Merde, vous je vous ai fait reculer mais faut charger maintenant. D'ailleurs, il a éloigné une milice ici, donc on va prendre lui là, ils sont encore 27, et on va lui faire charger ces archers là. Ici ça tient comme ça tient, on va dire. Les renforts arrivent les gars. Tenez un peu. Les renforts si on peut dire. Allez, là c'est parti là, faut charger maintenant. Ici on l'a chopé, on va se battre. Là on trace aussi. À l'intérieur. Faut tracer les gens.
Bon, ici on va essayer de remettre un petit peu de morale en, ramenant les généraux à portée. Cavalerie, au garde à vous. Suce à l'ennemi. Je suis prêt. Au combat. Allez. Ces mecs ils font quoi? Bon, ils ont fini par se faire dépouiller par les tours, ils se replient. Ça c'est top ça, c'est parfait. C'est parfait, c'est parfait. Donc ce côté-là va être à peu près géré bientôt. Marchez aux ordres. Lancez les projectiles. Ici, ça va être géré. Allez, vous, vous courez. Ça devrait le faire. Hein. On a des unités qui arrivent de l'intérieur. Hein. On a des unités qui arrivent de l'extérieur. Ici, on va pouvoir se les faire. Il y a celui-là qui résiste, mais normalement, on devrait pouvoir réussir à la gérer à coup de charge. L'ennemi s'enfuit, les lâches. Parez, tuez-les. Allez, chopez-les. Ok, ça se passe bien. Enfin, bien. Ça se passe, ici, c'est en train de doucement céder. On va essayer de leur redonner un petit ordre d'assaut histoire de. Là on va pouvoir faire une petite charge de dos. Ici ça cède, c'est nickel. On a beaucoup trop de monde dans le tas. On va les faire passer par dehors eux, parce qu'il y a la cavalerie, donc autant qu'elle fasse le taf. J'avais pas une autre unité de lancier là. Elle est déjà engagée, il y en a une qui court ici, l'autre. Ok, ils sont en train de doubler les unités fatiguées. C'est pas plus mal, j'ai envie de dire. Ici une charge, ici on refait une charge. On profite qu'ils sont engagés pour reculer avec le commandant. Elle tire cette tour, on va la reprendre en speed. Ouais, pourquoi pas. Alors, comment ça se passe ici? Ça se passe qu'on va faire une charge dans leur dos. Ils sont beaucoup trop nombreux, hein, mais c'est pas grave, ça va aider un peu. Bon, charge pas hyper efficace pour le coup. Parfait. En plus on a repris la tour, c'est parfait. Tout le monde se tire. Sortons la cavalerie ici. Bon, ils sont plus grand monde les pauvres gars, mais au moins ils vont faire ce qu'ils peuvent. Voilà, et ici on a les renforts qui arrivent, ça va tenir, on a réussi à tenir cette, cette bataille là. Ça va être super tendu, mais ça devrait passer. Allez, une charge. Oh là, c'est tellement compact quoi. On n'a plus personne qui a des munitions, il y a eux qui ont quelques munitions. On va leur demander de venir ici en courant. Vous, pareil, courez par là. Alors ici, on va se mettre un peu plus compact. Voilà. Pareil, ici on va se mettre un peu plus compact. Ceux-là, ils vont courir genre par là, histoire de les encercler vraiment bien. Le moral commence à céder un peu. Eux, je pense qu'ils vont arriver un peu après la bataille, mais c'est pas grave. Allez, une petite charge de dos, là. Vous, pareil, pointez-vous. Les guerriers ennemis déguerpissent. C'est tendu quoi. Bon, mine de rien, nos généraux à l'intérieur ont quand même fait le taf hein, avec leur morale. Allez, essayez donc de les choper. Ici on a du monde, on est bien en tas, on charge. Allez les gars, montrez-moi un peu ce que vous valez. Ouais, ils sont épuisés quoi. Ils n'arrivent même plus à courir.
On recule. On va enchaîner charge sur charge jusqu'à ce que ça cède. Hein. Enfin, charge sur charge si on peut dire, parce que c'est quand même pas vraiment brillant, mais c'est en train de céder. Et là, effectivement, la bonne nouvelle, c'est que vu qu'ils sont totalement englués, on peut carrément les charger jusqu'à ce qu'il n'y ait plus personne, quoi. Allez, eux ils sont frais, enfin frais, ils sont très fatigués, mais ils devraient réussir à faire quelque chose quand même. Épuisés, épuisés, ah, on les a usés les mecs. Hein. Alors eux, je sais pas pourquoi ils ont décidé de charger. Reculez un peu parce que vous êtes déjà plus grand monde quoi. Donc on va se détendre deux secondes. Il reste plus qu'une milice armée qui résiste. Je pense qu'il y a moyen que ça cède. Allez, on va envoyer eux histoire de fermer encore un peu plus le piège. Ouais, voilà, c'est bon. Tout le monde a cédé. Donc là, on va arrêter les tirs. On peut l'arrêter. Halt. Voilà, alors là par contre clairement hein, il faut qu'on y aille comme des porcs. Alors là pareil, le mec qui tient la bannière est là, donc du coup c'est un peu plus le drame. Allez, chopez-les, ils essayent de passer. Chopez-les moi. Là on va aller poursuivre cela histoire d'être sur place quand il arrivera le temps 2. Ok, bah on a tenu. Franchement, j'étais pas sûr hein, avec nos unités qui arrivent presque plus à courir, mais on a vraiment des troupes de qualité. Hein. C'est de la milice, hein, mais franchement, elles font le taf. Hein. Ils se sont sublimement bien battus, les mecs. Je crois qu'on a une unité seulement qui s'est enfuie. Ils ont vraiment rien lâché. Même épuisé, franchement, très très belle bataille les gars. Alors maintenant, il faut réussir à aller à en éliminer un maximum. C'est clair qu'ils sont encore très très nombreux. Hein. Alors là ça court, là ça court, là ça attaque. Où est notre autre unité de cavalerie? Toi tu n'attaques personne. Attaque donc cela. Ouais, bon, ici c'est trop tard, on les aura plus. Essayez donc de choper ça, c'est des gardes lanciers, c'est de la grande qualité, il faut qu'on s'en débarrasse. Vous faites rien. Chopez-moi cela. Ah ouais, non mais d'accord, il y a un mec là-bas quoi. Bon, ça n'a pas changé, hein, et bon, j'imagine qu'ils sont toujours un peu obligés hein, de choisir une unité qui représente plus ou moins là où est l'unité, mais c'est vrai que ça donne des trucs un peu zarbes quand même. Eux ils font le taf, ici. On a des gens qui se pointent, non pas vraiment. Toi tu vas t'occuper d'eux, toi tu vas t'occuper de cela. Effectif ennemi 0 sur 4398 quand même. Hein. Bon, on était 5000, hein, on va pas dire le contraire. On n'était pas non plus... trop peu nombreux. Bon, vous arrêtez-vous, ça sert à rien. Et mes généraux, ils sont quand même violents. Ils sont vraiment très très violents. Alors, il y a de la cavalerie qui ne fait rien ici. Cours un peu.
Bon, ici ils sont plus que 6. Préparez-vous. Là ils sont 21 encore quand même. Guerrier, écoutez-moi. Toi tu vas t'occuper de ces gardes lanciers là s'il te plaît. Vous arrêtez-vous, vous avez fait le taf. C'est bon. Bon bah on va s'arrêter là, hein. Elles sont beaucoup trop, enfin c'est trop loin, c'est une victoire héroïque, et oui. Waouh, 357, hein, il nous reste de garnison, 900 de cette armée qui a quand même plutôt bien géré. Pour la Chine. La vertu a gagné en ce jour. Déployer 1700. Alors lui, il accepterait de venir. Élégant, coriace, créatif. On va l'employer. Paré au bouclier, taillé à l'épée. Solitude, indécision, beauté. Toi non, on va t'exécuter. Garder en vie coûterait trop cher. Lui il est franc, épanoui et sincère. Non, on va l'exécuter aussi. On va se reconstituer un peu. Ok, et ici, il nous attaque. Alors par contre, celle-là, on va pas la faire, hein, parce que ça fait déjà beaucoup trop longtemps. Cet épisode est beaucoup trop long. J'espère qu'il vous aura plu, en tout cas, des bonnes grosses batailles bien tendues. Ça fait plaisir, c'est du bon gros Total War. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, à me dire ce que vous en avez pensé. Et on se dit du coup à très bientôt pour la suite. Merci à toutes et à tous.